Merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous fait super plaisir d'être ici au nom du réseau des lesbiennes du Québec. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est beau. OK, super. Donc, ça me fait plaisir que vous donniez une place aussi aux enjeux puis aux réalités lesbiennes et bisexuelles qui sont parfois un peu mal comprises, un peu invisibilisées, donc surtout en ce qui a trait aux violences sexuelles. Donc, le réseau des lesbiennes du Québec, c'est un organisme en défense de droits qui existe depuis 1996 pour les femmes et les personnes qui s'identifient comme lesbiennes, bisexuelles ou queer à travers le Québec. Donc, nous, on ne fait pas d'intervention en tant que telle. Donc, ceux qui font de l'intervention, c'est le Centre de solidarité lesbienne qui est aussi basé à Montréal comme nous. Donc, je vais prendre certains résultats de leurs travaux aussi à travers cette présentation. Mais juste pour dire, c'est ça que nous, on n'a pas une expertise spécifique en violence sexuelle. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est davantage un état des lieux, une certaine revue de littérature et des travaux notamment qui ont été présentés dans le cadre de notre colloque récent sur les enjeux lesbiens. Donc, on avait notamment un panel complet de quatre présentatrices qui présentaient sur les violences sexuelles et conjugales au sein des couples lesbiens. Donc, il y a deux points que je voulais aborder dans la présentation que je trouve qui sont peut-être deux aspects qui sont un peu peut-être moins connus dans les recherches sur la violence sexuelle. Donc, le haut taux de violence sexuelle envers les femmes bisexuelles. Et ensuite, je trouvais que c'était très important de parler de l'invalidation de la violence au sein des relations lesbiennes. Donc, je ne toucherai pas uniquement aux violences sexuelles. Donc, il y a beaucoup de data qui touchent davantage la violence intime, romantique, conjugale, mais ça englobe aussi évidemment les violences sexuelles dans donc sous cette thématique-là. Donc, par rapport à la violence envers les femmes bisexuelles, donc beaucoup, beaucoup d'études à travers les corpus nord-américains ont relevé qu'il y a des taux beaucoup plus élevés de violences sexuelles, autant chez les femmes que chez les femmes hétérosexuelles, que chez les femmes lesbiennes ou les autres groupes de la diversité sexuelle. Il y a aussi davantage de conséquences négatives de la violence sexuelle chez les femmes lesbiennes. Donc, je pense que c'est super important de comprendre que les populations lesbo-queer ne sont pas un bloc homogène. Donc, il y a beaucoup de différentes réalités intersectionnelles à travers les populations lesbo-queer, dont au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, ce qui peut expliquer ça en partie, on peut penser au rôle du stigma. Donc, il y a une certaine stigmatisation de la bisexualité qui peut être associée à la promiscuité, qui peut faire en sorte que des personnes vont se sentir plus gênées après d'aller chercher de l'aide, de parler de leur sexualité ou peuvent être aussi moins respectées dans leurs relations sexuelles. Donc, vont être moins prises, vont être moins prises au sérieux et vont être plus à risque de violences à caractère sexuel. Donc, plusieurs études démontrent que la stigmatisation des femmes bisexuelles est un prédicateur significatif de violences sexuelles au cours de la vie. Donc, les personnes bisexuelles vont être moins susceptibles de faire état de leur violence sexuelle, donc notamment à cause de ce stigma et de la coercition verbale, et sont moins susceptibles d'avoir accès à des tests de dépistage d'ITSS par rapport à d'autres groupes plurisexuels. Donc, il faut savoir aussi que parfois, les femmes bisexuelles vont se sentir à la fois exclues des populations lesbiennes, des communautés lesbiennes et des communautés hétérosexuelles, donc vont se sentir un peu à cheval entre ces deux communautés, donc ne vont pas non plus parler facilement dans des groupes de soutien lesbien de violences sexuelles vécues, donc de crainte de se faire invalider, de juste se faire dire ben, t'avais qu'à pas dater des gars, donc ce genre de commentaires qui peut revenir en parlant de leurs expériences vécues. Donc, les expériences de victimisation sexuelle au cours de la vie, ben, comme je pense que tout le monde le sait ici, il y a une augmentation de stress post-traumatique, de dépression, de consommation d'alcool et de ses conséquences. Et il semblerait que les femmes bisexuelles sont pas non seulement plus à risque de vivre des violences sexuelles, mais sont davantage vulnérables aux conséquences de la victimisation cumulative, ce qui peut encore aggraver les résultats. Donc, un deuxième point que je trouvais super intéressant d'aborder, c'est l'invisibilisation de la violence au sein des relations lesbiennes. Donc, c'est quand même un problème assez discuté dans les communautés lesbo-queer. Donc, le Centre de solidarité lesbienne, notamment, qui existe depuis quand même quelques décennies, a commencé pour répondre justement à ce besoin de pouvoir donner à des couples lesbiens un espace pour parler de violences vécues. Donc, il y a beaucoup de préjugés par rapport à la violence entre femmes dans les couples lesbiens. Elle n'existe pas. Une femme ne peut pas perpétrer de la violence sur une autre femme. Donc, c'est vraiment, il y avait un manque d'espace de discussion, un manque aussi de reconnaissance de ses propres expériences, parce que la violence sexuelle, physique et conjugale va souvent être lue à travers un prisme hétérosexuel. Donc, c'est un homme qui va la perpétrer
sur une femme. Donc, c'est pas possible qu'une femme la perpètre sur une femme ou une femme sur un homme. Donc, il y a certaines études, dont une étude récente de 2021 au Canada, qui dit que 2/3 des femmes de minorité sexuelle au Canada ont vécu de la violence romantique, intime et amoureuse au cours de leur vie. On ne parle pas ici nécessairement de violences vécues au sein de couples lesbiens, donc ça peut être des violences vécues avec de femmes vécues par des hommes, donc notamment même chez des personnes lesbiennes qui avaient vécu de la violence avec des hommes auparavant. Donc, il n'y a pas de statistiques plus précises sur les violences vécues entre les couples de femmes. Donc, les survivantes de différentes études ont indiqué à plusieurs reprises qu'elles se sentaient réduites au silence, isolées et impuissantes en raison du manque de reconnaissance et de soutien à l'égard de lesbiennes survivantes de la violence de leur partenaire intime au sein de leur communauté. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Donc, non seulement comme je disais, donc une difficulté de reconnaître soi-même qu'on a vécu de la violence parce que la violence sexuelle conjugale est lue à travers un prisme hétérosexuel. Mais aussi, il y a une crainte de stigmatisation plus accrue des relations lesbiennes. Donc, c'est des relations qui sont déjà considérées comme avec des préjugés anormales, malsaines, pas correctes. Et donc, c'est beaucoup de personnes dans certaines études mentionnaient ne pas vouloir dénoncer les violences sexuelles, ne pas vouloir en parler, de crainte de stigmatiser davantage, se stigmatiser davantage et stigmatiser davantage les populations lesbiennes. Et de se retrouver avec des commentaires du genre, ben là, tu vois les relations lesbiennes, c'est malsain. C'est pas normal, t'aurais pas dû te ramasser dans cette relation-là. Donc, il y a une tendance plus élevée au silence chez les lesbiennes qui ont vécu des relations sexuelles, qui ont vécu des violences sexuelles au sein de leur relation. Donc là, je vais vous partager certaines des constats sur les violences intimes et amoureuses un peu plus précises au Québec. Donc, il y a une étude récente qui a présenté à notre colloque sur les enjeux lesbiens il y a 2 semaines, justement, de la chercheure Gabrielle Rioux. Donc, il explique notamment qu'il y a un sentiment de double préjudice. Donc, la parole est discréditée autant en tant que femme et la violence est invisibilisée en étant au sein d'une relation lesbo-queer. Donc, voici certains témoignages de son étude. Donc, elle a interrogé différentes personnes qui ont vécu de la violence au sein de leur relation intime et amoureuse avec une partenaire de même sexe. Je ne sais pas si c'était de l'homophobie ou juste parce que je suis une femme qui ne prenait pas au sérieux. Ça a vraiment joué, je pense. C'est un facteur qui fait que je n'ai reçu aucun soutien. Donc, il y a une autre personne qui partage. Je pense qu'elle a eu une sentence plus légère parce que c'était une fille et qu'ils n'ont pas pensé qu'elle était dangereuse pour vrai. Puis, je pense aussi qu'on discrète beaucoup de ce que les femmes disent. Donc, c'est intéressant dans ce témoignage-là et dans l'étude de cette chercheure, on voit vraiment l'intersection du sexisme et de l'homophobie, donc qui crée de la lesbophobie. Donc, la lesbophobie qui est une discrimination spécifique vécue par les femmes et les personnes lesbiennes. Ce qui est ressorti de cette étude-là, puis ce qui était quand même aussi troublant, c'était l'invalidation des expériences vécues par le corps policier. Donc, quand certaines personnes allaient essayer de chercher de l'aide à la suite d'épisodes de crise, elles étaient invalidées par les intervenants. Donc, on a ce témoignage qui dit, par exemple, quand j'ai appelé la police pour dire que ma blonde me séquestrait, la police est venue. Ils nous ont séparés et la policière m'a dit, quand tu disputes avec ta coloc, va prendre une marche. Ça a été minimiser ce que j'ai vécu. Parce que supposément, les filles, ça peut pas faire mal. Des filles, c'est moins fort. Il y a l'espèce de préjugé que c'est juste les hommes qui sont violents. Donc, il y a vraiment aussi ce manque de formation dans les interventions, donc autant policières qu'au niveau des services sociaux. Donc, le Centre de solidarité lesbienne, qui est spécialisé en intervention des violences à caractère sexuel, entre autres, a fait une étude récente aussi dans différents milieux d'intervention pour voir comment est-ce qu'on comprenait la violence lesbo-queer. Donc, leur étude récente a noté une certaine hétéronormativité des services en violence qui n'ont pas nécessairement la lunette pour comprendre des dynamiques particulières qui peuvent se révéler dans les couples de même sexe. Donc, par exemple, de la lesbophobie intériorisée, le stress de minorité, des stress additionnels qui vont peut-être causer des situations où est-ce que les personnes sont plus à risque de violence, des précarités économiques. Donc, il y a beaucoup d'enjeux quand même qui traversent ces populations-là. Donc, une manque de connaissances terrain des réalités lesbo-queer et un manque de ressources accessibles aux femmes et aux personnes lesbo-queer, surtout hors Montréal. Donc, à Montréal, il y a quand même le Centre de solidarité lesbienne il y a des groupes de discussion vers lesquels les personnes peuvent se tourner, mais en région, il y a vraiment un très, très grand manque de services et de soutien. Donc, certains besoins et réflexions à la lumière de ces données-là. Donc, je partage encore un témoignage de la chercheure Gabrielle Rioux, un des témoignages d'une de ses participantes qui dit, j'aurais vraiment voulu
me faire entendre et me faire dire oui, on te croit, oui, on va être là pour toi, oui, on va prendre les actions nécessaires pour être sûr que tu te sens bien chez vous, que tu te sens bien à ton travail, que tu puisses vivre en paix, que tu n'aies pas peur pour ta vie. Donc, un besoin de reconnaître la possibilité de violences vécues entre femmes. La récente étude du Centre de solidarité lesbienne dit aussi que les besoins des milieux d'intervention à travers le Québec semblent être davantage pour certaines trousses d'outils, synthèse de guides sur les violences lesbo-queer et des guides de recommandations. Et c'est aussi particulièrement important de reconnaître le stress de minorité particulier vécu par les femmes bisexuelles et continuer les efforts de déstigmatisation de la bisexualité afin de mieux accueillir et intervenir. Puis comme j'ai encore quelques minutes, je pense un petit 2 minutes, je veux juste partager quelque chose que je trouvais super intéressant sur les stéréotypes de genre dans les jugements légaux. Donc, tu sais, des fois, il y a des lesbiennes qui vont, des lesbiennes ou des personnes lesbo-queer qui vont avoir une apparence plus masculine, d'autres plus féminine. Puis cette apparence de genre-là va jouer aussi dans la perception de la violence au sein des populations lesbo-queer. Donc, il y avait une étude super intéressante sur le contexte légal qui disait que les participantes femmes à l'étude considéraient que l'accusée qui était plus masculine, donc une lesbienne entre parenthèses plus butch, allait être plus responsable des blessures de la victime que si l'accusée était d'apparence féminine. Donc, on va avoir tendance à stigmatiser les lesbiennes qui sont plus masculines, à considérer qu'elles sont peut-être plus violentes, peut-être plus dangereuses. Donc, on va les lire à travers un prisme hétérosexuel. Puis, les participants masculins à cette étude vont éprouver globalement davantage de sympathie pour une victime masculine que pour une victime féminine, mais davantage de colère à l'égard d'un défendeur, une lesbienne butch, une lesbienne à l'apparence plus masculine qu'à l'égard d'une. Une défendante à l'apparence plus féminine qui aurait agressé une victime féminine. Donc, c'est intéressant de voir que les stéréotypes de genre jouent aussi dans les jugements légaux et évidemment dans les normes sociales aussi et les préconceptions qu'on a des relations lesbo-queer. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager. Je vais être contente de répondre à vos questions si vous en avez. Puis, merci encore beaucoup pour la plateforme pour parler des enjeux lesbo-queer. On est toujours contente au Réseau de lesbiennes du Québec de pouvoir visibiliser les enjeux.